Good morning, Aleid, en Nesutro, aujourd'hui, le Lonish Matar, Roman de Rabbi Nesrak, Vefani, David, Ben, Fortuna, Mazal, Fritna, et Dvora, Bat Esther. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Ktubot, Perek, Gimel, Mishnah, Zain. Eizo, hi, Boshet, Akol, Lefi, Hamme, Vayesh, Ve, Amit, Bayesh, Gam, Ruinota, Ke, Ilu, Hin, Shifra, Nimkeret, Kama, Aita, Yafa, Ve, Kama, Yafa, Knas, Shave, Bechol, Adam, Bechol, Shesh, Lokitzba, Minatora, On a une Mishnah qui va un peu plus détailler ce qu'on avait appris dans la Mishnah d'Alet. On avait déjà tout expliqué à l'oral, maintenant on va le voir qu'en fait c'était écrit dans la Mishnah. Et avec, d'abord j'appelle notre sujet de notre chapitre, c'est celui qui viole ou qui séduit une jeune fille, qui porte donc préjudice essentiellement au père, à la fille aussi. Alors il doit dédommager, il doit donner un knas, et à part ça on avait appris qu'il doit aussi donner le pgam, ce qu'on appelle Nézek, et la bochette et la honte, et peut-être même le tsahar aussi, le tsahar on ne va pas en parler dans le Mishnah. J'explique d'abord c'est quoi Nézek tsahar, ripouille chavet bochette, c'est très simple. Un homme qui cause un dommage à un autre homme, consciemment, il doit l'indemniser sur quatre plans. D'abord, s'il lui a cassé le doigt, il doit lui payer le prix d'un doigt. Comment on fait pour payer le prix d'un doigt, On va au marché des esclaves, on voit un homme avec le même gabarit, 1m80, 85 kilos, il dit nanana, tel âge, ça coûte 1 million. Tu prends le même et tu le supprimes un doigt, combien il coûte? 980 000 ou 950 000? Ben c'est le prix du doigt qui lui manque. Un doigt, ça coûte ça. Ok? Ça, c'est Nézek. Tsahar, c'est la douleur qu'il a eue au moment où on lui a enlevé. On prend quelqu'un à qui on doit lui opérer, lui ayant amputé le doigt. Combien ça coûte? Combien il est prêt à payer pour ne pas, ne pas souffrir, qu'on va lui faire on va l'endormir. D'accord? Ça, c'est Tsahar, ripouille, combien ça coûte de guérir? Chevette. Le chômage et bochette la honte. La honte, parce que lorsqu'on est claque à quelqu'un en public, en plus du fait qu'on lui a causé un dommage et qu'il va avoir une trace de doigt, et qu'en plus de ça, il y a la honte. Ouais, surtout honte même. Donc ça, c'est la boucha. Idem maintenant lorsqu'on viole la fille, la jeune fille, en plus du knas qu'il faut lui payer, il faut en plus de ça, il y a la honte sur la famille. Vous imaginez, c'est une famille propre, une famille agréable, que tout le monde apprécie. Aujourd'hui, maintenant, les gens, ils l'éloignent, ils les garde à l'écart, parce qu'en fait, il y a une fille que, malgré elle, elle a été dévergondée. Peu importe si elle a été séduite ou si elle a été violée. Vous imaginez bien qu'une jeune fille qui a découvert d'autres choses dans la vie, elle n'est plus aussi pure qu'à l'époque, d'accord? Donc du coup, il y a la bochette, la honte, ça salit l'honneur de la famille. Donc, il faudra dédommager avec la bochette. La Mishnah, elle me dit, tu sais quand... En fait, le but de la Mishnah, d'abord, je vous dis l'axiome de base. La Mishnah, elle va tout simplement me dire, sache que je vais t'expliquer comment tu calcules la bochette, comment tu calcules le pgam, le fait que le membre a été amputé, quel membre, les betulim, la virginité, on va expliquer tout de suite après c'est quoi, et aussi le knas qu'il faut payer. Et la Mishnah, en fait, elle va me dire, sache que bochette et pgam, c'est aléatoire selon chaque personne, tandis que le knas, c'est quelque chose de constant chez tout le monde, qu'il faut payer la même chose. C'est l'idée de la Mishnah. Maintenant, on va rentrer plus dans les détails. Et les bochette, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut calculer la bochette à Kolefi, Ami Vayesh, Amit Bayesh, tout dépend de celui qui fait honte et celle qui encaisse la honte. De manière générale, je ne comprends pas tellement, malheureusement, je ne comprends pas tellement ce que ça veut dire ces notions, mais je dis ce qui est écrit dans le Barthénora. Il y a trois classes. Il y a la haute société, la société moyenne et la basse société, les bafous. Et ben, figurez-vous que ça fait plus, on a une honte plus grande lorsqu'on est humilié par quelqu'un de la moyenne, plus que quelqu'un qui est de la haute ou de la basse. D'accord? Dans l'idée, par rapport à la basse société, je comprends tout à fait. Si un clochard dans la rue va me dire, hey, toi, là, le petit rabbin avec ton gilet, clochard, clochard, d'accord? Ça ne va pas tellement me faire honte, même si elle me dire des choses. La honte, elle va être moins violente, alors que si c'est quelqu'un de tout à fait normal, en pleine rue, il va m'humilier, ça me fait mal. Mais si c'est quelqu'un de très rachouf, alors il va humilier, la honte, elle est moins forte. Je ne sais pas pourquoi. Et le même principe avec le viol. Si c'est un col blanc qui viole, ça fait moins honte que si c'est quelqu'un de la société moyenne qui viole, et ça fait... Et la classe moyenne, ça fait plus honte que si c'était quelqu'un de la basse société. Quelqu'un de la basse société, c'est un peu logique. On va pas... J'ai du mal à comprendre, je peux pas expliquer. Soit parce que j'ai pas de cavode, soit parce qu'on n'a plus les mêmes notions de cavode à notre époque, j'ai du mal à comprendre. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le Barthénora, j'ai traduit. Pgam. Pgam, c'est le fait d'indemniser le membre amputé en général. Or là, on parle pas d'une femme qui est amputée. On parle d'une femme qui a amputé la virginité. Soit il y a une membrane à l'intérieur
chez la femme, que lorsqu'on va perforer ça pour la première fois, elle est plus vierge. Une canette de coca qu'on a ouverte. Ça donne, c'est un autre prix, c'est plus intéressant, même si tout le gaz il n'a pas bougé, tout. C'est plus la même chose. D'accord? Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour calculer? Parce que si vous allez au marché des esclaves, c'est un peu dur à comprendre. Une servante vierge, est-ce que ça change quelque chose par rapport à ses travaux de servante qu'elle doit laver le parterre ou frotter les vitres? Qu'est-ce que ça peut faire, qu'elle soit vierge ou pas? S'il lui manque un doigt, vous comprenez bien, elle va moins astiquer. Mais s'il lui manque un pied, à plus forte raison. Mais s'il lui manque sa virginité, qu'est-ce que ça peut faire? Effectivement, il y a quand même une différence. La Mishnah nous explique en fait, je traduis d'abord les mots, Roin, Ota, on va la voir, on va l'estimer, l'évaluer. Keilu Ishifra Nimkeret, comme si c'était une servante vendue. Kama Itayafa avec Kama Yafa, combien elle était bien initialement en étant vierge et combien aujourd'hui elle a été amputée. D'accord? Parce que le fait, pourquoi? La Gemara explique en fait qu'il y a parfois un esclave fidèle à son maître. Et son maître a envie de lui faire un plaisir. De lui prendre une servante vierge, une pure sang, bien propre. Que ce soit sa petite chérie avec qui il va vivre tranquillement avec elle, pure. Pas une qui a déjà trop connu. Il va vouloir lui faire ce plaisir de lui trouver une bétoula. Et de ce fait, donc on va partir au marché des esclaves, et effectivement, on va prendre plus d'argent pour une bétoula, parce qu'il y a une certaine sorte de personne qui recherche spécifiquement ce produit. En général, on s'en moque. Votre femme de ménage, vous vous en foutez, si, qu'elle soit vierge, qu'elle soit pas vierge, c'est pas tellement votre problème, si elle astique, si elle fait le truc. Mais il y a parfois, quand même, pour faire plaisir à l'esclave, alors on va rajouter un petit supplément. On est prêt à rajouter un petit supplément, et là, c'est le prix exactement que coûte la virginité de la femme. D'accord? Knas. Knas, c'est quoi Knas? Knas, c'est l'amende à payer. La Mishnah, elle me dit, eh bien, Shavé Bechol Adam, elle est équivalente chez tous les hommes. Parce que, Bechol Sheyesh Lo Kitzba Min HaTorah, tout ce que la Torah, elle a fixé un prix fixe, eh bien, Shavé Bechol Adam, c'est équivalent chez tous les hommes, soit en fait, à la différence des deux cas précédents, des deux dédommagements, de la bochette et du bgam, que ça dépend de chaque personne selon ce qu'il vaut, la honte, est-ce qu'elle sera plus forte, la virginité chez une femme qui est plus agréable, j'imagine que la virginité ça coûte encore plus cher que chez une femme que de toute façon elle n'était pas attirante, donc il peut y avoir, tandis que le knas c'est une constante, quel que soit le rang, quelle que soit l'allure, quel que soit, on paye tous le même prix, parce que tout ce que la Torah a fixé un prix, ça s'appelle un knas, et on ne va pas se dire, ah mais s'il faut payer un knas, si on t'a dit de payer un knas, par exemple 30, pour un esclave qu'on a tué, ça c'est pour un esclave qui est en bonne santé, mais un esclave qui est sur chaise roulante, non. Tout ce que la Torah a fixé un prix fixe, c'est le même prix constant pour tout le monde. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de sacré tout, c'est là.